Bienvenue au cœur de la forêt régionale de Sainte-Eutrope sur les communes de Bondoufle, Ris-Orangis et Fleury-Mérogis à proximité de l'ancien hippodrome où malheureusement nous pouvons y accéder vu que le site est très surveillé. Et par ailleurs c'est une propriété privée donc impossible de faire de l'urbex entre parenthèses exploration urbaine. Nous avons tenté mais sans succès. Du coup, nous allons nous contenter de cette jolie balade printanière au cœur de cette forêt. Ça fait très très longtemps que je n'y suis pas retourné. Alors ici, avant, il y avait une ancienne ligne de chemin de fer, un petit train touristique. Donc la dernière fois que j'y suis allé, eh bien, il y avait encore les vestiges de ce petit train touristique avec les rails. Mais les rails ont été enlevés, hein, tout comme le petit bâtiment voyageur. Il fait très beau, sous une température très agréable de 22 degrés. La nature revit puisque le vert est en train de réapparaître progressivement mais sûrement. Alors, nous sommes toujours au cœur de la forêt de Sainte-Eutrope sur la commune de Bondoufle. Sauf que là, j'ai un petit problème. Vu que je dois poursuivre ma route et le chemin est englouti par les eaux. Ici, normalement, nous avons deux mares. Sauf que ces deux mares ont provoqué, cette inondation. Alors, pour la beauté du reportage, je pense que nous allons quand même traverser cet obstacle qui paraît infranchissable. C'est parti! Nous allons traverser cet obstacle. Après tout, la vie ne doit pas être un obstacle. Oh là là. Ah oui, il y a une sacrée quantité, putain. Wouhou! Nous marchons tranquillement dans la flotte. Mes pieds vont être trempés, mais c'est pas grave. Et bien voilà, finalement, ce n'était pas si terrible que ça.